danse la fumée. Par les ruines sévères, c'est le temps des condamnés. La mort se lasse, bras de fer, bras de sang, muse des souffrants. Les bois tremblent, le jour s'étouffe, l'ennemi est introuvable. Les squelettes réclament leur chair, les charnus sont de pierre. Faire front à la folie. Les chairs et les os se refusent à la mêlée. Les chairs et les os se refusent à la vie. Maille, maille, dorée sur la nuit d'été, partisan sous l'automne. Vers le jour d'hiver, des quatre saisons mortes sous épis blancs, l'épave me tremble. Fatigue fume l'opium de mes jours, les silences attardent la mort inscrite, ne se résout pas à mourir. Un jour, l'arc-en-ciel colora les galets. Voici de jeunes garçons de l'école de Platon qui examinent une citrouille. C'est pour sûr un légume d'une rondeur extrême. Une herbe a fait un autre. Arbre, dit ce troisième. Voyant cela, un médecin venu des Siciliens confins leur pète et rit au nez, disant qu'il déraisonne. Mais l'espèce polissonne voulut jouer au plus fin. Platon était présent et son humeur sereine, et la citrouille aussi, encore intacte et pleine. Aussitôt, il commanda de remonter à l'alpha, et pour pouvoir répondre à la question « qu'est-ce ?», de diviser par deux et retrouver l'espèce. Le dicton des petits-enfants est que parfois des hommes sont pendus pour avoir dit la vérité. Au XVIe siècle, l'anatomiste Jacobus Silvius était arrivé à la conclusion que l'homme avait dû, jadis, être pourvu de l'os de Quimper, de cet os intermaxillaire, mais qu'il l'avait perdu dans ses extravagances. Phrase dictée aux écoliers dits d'âge de raison.
Alice prépare le couvert. Son petit frère Albert la regarde. Xavier guide l'aveugle, virgule. Il est serviable. Yvonne fait l'aumône aux pauvres, virgule. Elle est charitable. Minet a fini de boire son lait, point, virgule. Il se lèche, virgule. Puis il saute sur une chaise, point, virgule. Il se couche. Plusieurs points de suspension. De fervents spinozistes mirent en circulation au XIXe siècle la plaisanterie suivante. Si vraiment tout dans la nature avait un but et une utilité, on ne pourrait expliquer l'existence de frères siamois que par la volonté de Dieu d'offrir de temps en temps aux cannibales la possibilité de manger eux aussi une philippine. Une petite tortue, curieuse et imprudente, monta un jour à la surface de la mer pour voir ce qui se passait là-haut. Les loups sans tête s'entre-déchiquettent, la pitié perverse encore et toujours, démoule, emmoule, remoule les évidences, plutôt crevées. Massacre de loups morts quotidiens, ahuris, anesthésiés par l'effroi. Grâce à l'héritage des loups penseurs, des loups bâtisseurs, un loup miracle a baisé la main d'un lépreux. Mon sang se braque sur l'idée, rien n'est établi pour toujours. Vive la violence d'amour. Bien sereine est la mer. À vos rames rameurs, c'est la nève des amours. Au rythme des sirènes, chanterez nouveaux chants, ramerez en triste peine avec rames de soucis. Aurez des soupirs par paire, et par paire les douleurs, c'est la nève des amours. Et ramant tourmenté, trouverez d'autres tourments, et mers désespérées, assauts désastreux. Vous aurez vie contente, parmi douleurs majeures, c'est la nève des amours. De ramer et d'œuvrer, porterez corps meurtri, et enfin de naviguer, s'effacera le port. Quoique certain soit le mal, à vos rames rameurs, c'est la nef des amours. Chaîne, grillage purulent, caoutchouc sournois, stick en béton. Couvre-chef barbecue, grillade d'elle arte, oui malé, oui malé. La tête du clown a crevé, la grosse caisse de la fanfare a croix gammée. Dites-moi, monsieur l'interné, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui aurait pu vous sauver? Un peu d'amitié, peut-être. Nouvelle religieuse, conférence de carême, Le Monde, 1965. Bien souvent, nous sommes les débiteurs des pays en voie de développement. L'antisémitisme a coûté beaucoup de larmes et de sang. Le monde est fatigué d'une église qui ne prêche que la mort et la croix. Qui osera nier que le monde n'a jamais été plus absurde. On voit réapparaître l'idée illusoire que la paix ne peut se fonder que sur la terrifiante puissance d'armes extrêmement meurtrières.
rêve apparemment fou, la terre doit devenir progressivement le ciel. Bura, 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 bura. Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les Ibakusha. Rescapés du Picadon, le Picadon éclaire, boum! Bura, 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 bura. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite. Nausée, vertige, bura, 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 bura. Les Ibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé Bura Bura, la maladie du rien faire. Le ministère de la Santé japonais a été obligé de classer les Ibakusha comme invalides, au même titre que les leucémiques. Palpitations, troubles de la mémoire. Bura, 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 bura. Dans la ville nouvelle, trop malade pour travailler, pas assez pour mourir, les nouveaux venus croient le mal atomique contagieux, nous ont privés de bains chauds. Bura, 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 bura. Selon une croyance japonaise, les guirlandes de papier suspendus au plafond peuvent favoriser la guérison des malades. Bura, 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 bura,